Très bien. On va résumer ce que vous nous avez dit, Alan. Ces 13 dernières années, vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque. L'entre-noir, qui est comme New York sans être New York. On peut l'atteindre depuis le fond de Cauldron Lake, mais ce n'est pas vraiment sous le lac. Et après tout ce temps, vous avez réussi à fuir. Ouais, ouais. Comme votre double maléfique, Monsieur Grincement, ou est-ce plutôt l'ombre noire? Les deux, ils sont interchangeables. C'est Grincement quand c'est mon double, mais il peut emprunter une autre forme. Et Grincement, cette ombre noire, veut réécrire le monde selon sa propre image. C'est-à-dire à votre image, puisque c'est votre sosie. Et transformer le monde en horrible cauchemar. Pendant la fête du cerf, qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement. Vous avez fui l'entre-noir en écrivant un roman, les pages que l'on a trouvées. Mais votre double a transformé en récit d'horreur qui modifie la réalité, prend possession des gens, oui, leur fait perdre la tête. Et transpose l'entre-noir à Bright Falls. Je crois. Quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme... Comme les ténèbres quand la nuit tombe. La dernière fois... Vous voulez dire en 2010? Oui, la dernière fois, c'est pas arrivé d'un coup. L'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait. Et l'ombre noire était toujours liée au lac. Je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait. Avant qu'elle s'échappe. Conclusion. Il reste du temps. C'est là qu'arrive votre interrupteur magique. Le rupteur. Magique n'est pas le mot qui convient. Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Si je récupère le rupteur, je renverrai mon double dans l'entre-noir et j'éradiquerai toute cette merde. Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue. Ma mémoire est pleine de trous. Je sais pas trop à quel point elle est fiable. C'est comme un rêve qui s'effacerait. Monsieur Wake. Alan. On a eu notre dose de trucs vraiment dingues au cours des dernières 24 heures. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, on fait partie de l'histoire? Je vous ai aperçu. C'était une vision, dans l'entre-noir. Je crois que, dans un sens, vous m'avez aidé à m'enfuir. Avec ça dans l'histoire, Grincement l'a peut-être modifié pour vous atteindre. Pour vous blesser. On est tous en danger. Oh là là, nous sommes tous en danger, les enfants. C'est dément. Tellement énorme. Allez, on va se faire une petite piqûre. Ils sont louches, ils aiment porter des masques de cerf, faire des rituels meurtriers. Les victimes se changent en monstres, possédés par les ténèbres. Le tout sûrement inspiré d'une histoire d'horreur écrite par un certain auteur. Alors, ça vous dit rien? La secte. Si. Si. Ils ont le rupteur. Si la secte a le rupteur, ses adeptes obéissent à Monsieur Grincement? Pourquoi êtes-vous aussi sûr qu'ils ont le rupteur? Ils travaillent peut-être pour Grincement. Je m'en souviens pas, tout ce mélange. Alan, si je dois me baser sur vos infos pour agir, vous devez être honnête avec moi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est perdu? Ou est-ce qu'il cache quelque chose? Allez, on va faire du profiling, les gens. Selon Wake, la secte a le rupteur. Comment le sait-il? L'écrivain est le lecteur. Prochain chapitre, prochain chapitre, prochain chapitre. Protéger les pages, la brillance sombre des mots. Wake cache des pages partout. C'est comme ça qu'il sait que la secte a le rupteur.
Wake a un double, Monsieur Grincement. Où est-ce qu'il est ? Un nuage de rage sur mon visage. L'antre noir dans cet antre. Réduisant mon travail à néant. Grincement est là, à Washington. Il pourchasse Wake. Grincement ressemble trait pour trait à Wake. Pourquoi ? N'éveille pas le rêveur si ta vie est un rêve. J'ai atteint le rivage, mais l'eau continue de monter. Wake et Grincement ont bel et bien un lien. Wake a peut-être fait sortir Grincement avec lui. Ou l'inverse. Ça devient compliqué un petit peu, là, quand même. Très bien. Monsieur Wake, je sais que vous avez d'autres pages du manuscrit sur vous. Vous ne savez pas à quel point ces pages sont vitales. C'est mon seul moyen de connaître l'avenir. Vous n'êtes pas le seul à chercher une réponse. C'est aussi notre boulot. Bon. Tenez. C'est tout ce que j'ai. Prenez-en bien soin. Dans le mobile home, aux abords de Watery, Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake, dans les mains de la secte de l'arbre. Un adepte l'observa. Elle sortit son arme. Alors du coup, est-ce qu'on a plus d'infos ? Wake nous a donné un tas d'informations. Mais ce rupteur, ça semble être un bon point de départ. Si on le retrouve, on trouvera la secte. La secte de l'arbre a le rupteur dont Wake m'a parlé. Elle est mêlée à tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, Agent Saga ? Toujours pas assez ! Tout est sur cette page. Le rupteur, la secte... Très bien. Je vais à Watery pour trouver le mobile home. Casey, reste ici et garde un œil sur Monsieur Wake. Non, tu viens avec moi, Casey, hein ? Non, il faut que je vienne. C'est hors de question. Il s'agit d'une enquête du FBI et je vois pas d'insigne sur votre espèce de chemise. Désormais, vous pouvez alterner entre Alan et Saga via le saut dans la salle de pause du concierge. Les histoires sont jouables dans l'ordre de votre choix. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais là ? Je vais où ? Sors ! Hey, bienvenue. Bonjour, je voudrais un verre, s'il vous plaît. Ancien meilleur char de la fête. Go ! L'horrible marionnette en laine. Les animaux empaillés. Oh non, sûrement pas. C'est la troisième fois que je demande... Il y a ma voiture. Pour la télé dans... Dure ! Elle n'arrête pas de s'allumer toute seule. On va aller à Watery. De fermer l'œil. Très bien. Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement... Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres, ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la salière. La page me situait dans un mobile home à Watery.
Je devrais me renseigner. Une fille du coin. Madame. Hein? Non, je te filerai pas un rond. Or. À qui on peut se renseigner là? Tout va bien? L'inondation est pire ici. Watery boit la tasse. Cassie devra apprécier mon jeu de mots. Y'a rien ici. Je vais prendre le véhicule et me barrer avec. Et dire fuck it. Quoi? Munition! J'avoue qu'avec Saga, je suis quand même assez surarmé. Hein. En parlant de surarmé. Oh! Feu à main? Pour une torche? Voilà. Petit coquin, qu'est-ce que tu m'as fichu cette fois-ci? Ah oui, le coquin. Je vais même plus pouvoir te refistoler. On peut dire que Watery est unique. Oh. Il nique des piles, beaucoup, beaucoup de piles. Oh, t'es trop beau pour être vrai. Comment ça va? Ça va bien et vous, monsieur? Par contre, je cherchais les infos, mais bizarrement, je peux interroger personne. C'est un peu con, quand même. Ah. C'est vous? Où est-ce que le temps file? Dans ton C. J'ai comme l'impression d'être plus longtemps. Ouais, pas à dire grand-chose ici, on va aller tout droit. En votant pour le maire 7 heures, vous votez pour tous. Donc on cherche un mobilhome. Tu. Hé, hey, Saga! Par ici! Hey, Saga, c'est plus fort que toi. Salut, Ilmo. Alors, Steven a aimé sa balade dans les bois? Encore un client satisfait. J'espère juste qu'il nous mettra une bonne évaluation sur notre page web. Content de te revoir à Watery, Saga. Tu as manqué à tout le monde. C'est super sympa de te revoir, Saga. Il faut comme s'il me connaissait depuis des années. C'est pas la première fois. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre? Ouais, on a toujours cru que c'était une légende urbaine. Des gamins qui faisaient des symboles flippants pour se faire peur, mais... C'est devenu super réaliste, non? C'est horrible ce qui est arrivé. On est tous sous le choc. Oui, eh bien, on enquête là-dessus. Les choses devraient bientôt revenir à la normale. Ce serait super. Enfin, aussi normal qu'elles l'ont toujours été. Je dois trouver un certain mobilhome en ville. Est-ce que vous pourriez m'aider? Ouais. Je suis quasi sûr que le gérant du parc de mobilhome de Watery, moi, peut vous aider. Notre résidente la plus drôle est de retour. Résidente? Je vois pas ce que vous voulez dire. Si c'est ta façon de te débarrasser des factures impayées, mais t'inquiète pas, elles sont réglées. Ça doit être dur de revenir à l'endroit où tu vivais avec ta fille. C'est comme s'ils se souvenaient d'une autre réalité. Est-ce que l'histoire d'horreur embrouillerait leurs souvenirs? Et c'est quoi ce Coffee World? Comment? T'as même pas vu notre publicité? Coffee World est un mélange onctueux d'attractions et de bouffe. On avait même un élan, jusqu'à très récemment. Et juste à côté de Coffee World, il y a l'atelier de notre motoclub, les Chevaliers de Kalevala. On s'occupe de fabriquer les chars pour la fête du cerf. Mais va pas fouiner. Tu comprends? On veut garder la surprise pour la fête. Je rêve ou le gars de droite a la même voix que le gars de gauche? Donc, vos publicités... C'est pas que des publicités, Saga. Notre but est de divertir et d'éduquer les téléspectateurs sur les produits et les services qu'on propose. Et Yako, ici présent,
est un vrai pro devant les caméras. Sérieux? Ta gueule. Je suis juste là pour la bière gratuite. Par contre, je sais pas c'est quoi l'excuse du mot. Je suis scénariste, producteur, acteur, réalisateur. Franchement, ce serait pas mal que t'arrives à t'en souvenir. Le profilage devrait m'aider. Bois un verre. Si seulement le reste du bureau savait que Casey est un dur au cœur tendre. Faut le droit à un petit verre. Même pas une petite goutte. Même pas une petite goutte. Wow, c'est quoi ce profilage là? Lui, hein. Il maudit que la secte n'est qu'une légende urbaine. Mais est-ce qu'il y croit? Il y a des choses terrifiantes la nuit. Tout est vrai. Tout est vrai. Déclenche l'alarme, frangin. Rassemble les troupes, frangin. Yako, l'ombre de la forêt s'approche tout doucement. Il ne croit pas que c'est une légende urbaine. Ils savent que c'est dangereux. À en croire Ilmo, j'ai vécu là. Ce serait pas quoi, vraiment. Lumière, rire et amour te guideront chez toi. Saga et Sagamine. Bon sang. Des visages souriants, ça fait monter les prix. La famille d'abord, Ilmo. On s'occupera de son mobilhome plus tard en son absence. Elle est avec nous, Yako. Le double des clés est à l'abri. Les frères Koskela ont de bons souvenirs de mon passage ici. Je pense que c'est l'histoire qui les affecte. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Il me faut la clé du mobilhome. Bon, assez plaisanté. Oui, j'aimerais voir mon mobilhome. Est-ce que vous avez un double des clés? Tant mieux pour toi. Ouais, j'ai un double des clés, mais il se trouve à Coffee World. J'irai bien le chercher, mais Yako et moi, on doit aller à Bright Falls. C'est dans le coffre de la boutique de souvenirs. Je vais appeler pour que quelqu'un les mette à disposition. Ah, la route est inondée, mais si tu suis le sentier derrière moi, il t'y conduira. Appelle la boutique de souvenirs pour qu'ils aident Saga. Ouais. Ok, ça devient relou quand même. Traverser la rivière. Oulala, ça a l'air dangereux, Coffee World. Voilà, j'ai plus beaucoup de munitions non plus. Ah, une carte. Pas utile. Quoi ici? Ouh, des munitions de shotgun. Cool. Quoi ce bruit? Lampe torche, tu veux bien marcher? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? FBI, montrez-vous! FBI, open up! Open the door! Arrivé, on... Ah, connard! Le petit con qui m'envoie des haches. Quoi? Là là. J'ai pas de mourir. Waouh! À travers l'arbre, pas cool! Lève pas ma gueule quand même! D'autres gens se transforment en possédés. C'est la secte. Il me reste 10 balles! 10 balles! S'il vous plaît. Un truc écrit ici. Un poème ou une devinette?
Ça me fait penser aux douze bêtes à couronne de toute beauté courent dans les bois avec un air inquiet, fouillant le chasseur sous les branches imposantes, coûte que coûte, tâchant de s'en sortir vivant. Ah, il y a des trucs à mettre ici, apparemment. Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. C'est qui va mourir ? C'est Bibi ! Ah non, c'est une énigme. Je sais pas s'il y a un intérêt de la faire. Hein. 6 balles les gens, j'ai plus de munitions sur Alan. Ça va plus me filer son flingue avant que je parte quoi. C'est quoi là-haut? Plus de méchant s'il vous plaît. Le symbole de la secte là. A sorti le pompeux. Rien par ici. Oh. Grand quand même hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas? Abri de chasse. Oh, center, putain. Et vas-y, ma grande. Encore une fois. Fini de munition. Ah, un point de save, nice. Lettre. Page du manuscrit, plutôt. C'est quoi tout ça? Ajoute une charge à la lampe de Saga. Huit. Allez, on y va. 1, 2, 7, 3. La secte laisse du matériel pour ses adeptes. Qu'est-ce qu'il peut contenir? Je dois fouiller les environs pour trouver comment l'ouvrir. Bon. Ouais, moi je vais régler ça en 2 secondes, attendez. Ez! Trop fort! Vous ne portez pas un masque, c'est pas pour vous. Ah bah si, c'est pour moi maintenant! Je serais con de passer à côté d'une belle arme. Avec une seule flèche. Super. Ah! Bah non, en fait, il y en a plein ici. On va peut-être l'équiper quand même. Je vous le dis, hein, je suis un génie. Hein. J'espère juste que ça one-shot. Et Frédéric, merci pour le resub. Putain, meuf, tu pourrais juste tirer dessus. Pourquoi il faut une clé? La clé du raccourci, elle marcherait pas à tout hasard. Bah non. Allez, j'aime le danger. Je sais toujours pas où je dois aller. Encore un coffre fermé. Ouais, sûr.
failli oublier en plus, c'est le pire. Bon, je dois aller où là? Je suis où? Je suis là. Je dois aller à Coffee World. Je vais prendre sur la droite. Ok, c'est juste à côté du point de sauvegarde. Il devait y avoir un chemin quelque part. Juste ici. Du coup, on va se faire agresser sur le chemin. Donc du coup, on va voir ce que ça vaut. Ah, oh, ça vendra pas. Bonjour monsieur. Vivez dans les bois. T'as one shot même pas. Oh, le délai de rechargement. Oh, bah, moi, je pourrais les flèches, c'est déjà pas mal. Ça one-shot pas, les gens. Pas dû jouer Wake. Pas trop envie d'aller là-bas, en vrai. Ça a l'air bien, c'est rouge. Ah, apparemment mon immersion est foutue. Allez, donnez-moi des trucs! Toujours s'éloigner du chemin principal, les gens. Toujours. Juste pour ça. Une boîte repas de plus. Ah. Mieux, j'ai envie de dire. Ouh, 5. Upgrade possible. Attendez, on va peut-être pas faire ça ici, parce que si jamais je me fais agresser... je donne pas cher de moi, là. On était où le petit pont? Merde, je viens. J'ai oublié. Oh, c'est bon, c'est là-bas. Ah, des corbacs! Des corbacs sauvages! Oh non! On peut même pas faire un petit peu de pêche! Oh non! On peut faire tomber le truc! Ouais! C'est quoi cette animation de merde? Et du lac est un monde parfait. Lave tes pieds, lave ton nez. Du lac est... Du lac est... Du lac est pas un monde si parfait. De dire qu'on est encore super loin de le finir, le jeu. Nous, on n'aurait pas pu demander des renforts, genre de choses. Pas des flèches. Alors restons dans la lumière, j'ai vu qu'on avait des trucs. Ok, je peux améliorer soit le shotgun, soit le pistolet. En général, le pistolet est toujours une bonne option. Et il nous en manque un, donc c'est pas une bonne option. Et des nouvelles infos. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Grincement rôdait dans les bois, une ombre noire terrifiante dans la nuit, plus perçue que vue. Dans son crâne bouillaient les ténèbres. Comme un nuage d'orage dans une bouteille. Les bois grouillaient de ceux qui l'avaient capturé. Il venait avec lui, contrôlé par lui, son armée des ténèbres. Son objectif était un trou noir palpitant dans sa tête, des vagues en surgissant pour susciter la frénésie chez sa meute, partageant ses ambitions avec elle. Le rupteur,
Il le voulait pour que son horrible fin devienne réalité. L'art était là. Le rupteur lui ferait franchir l'ultime seuil. Un détonateur pour déclencher un raz-de-marée engloutissant la réalité. Les possédés bredouillaient et hurlaient, se débattant contre des liens invisibles, assoiffés de sang. Grincement les libéra. Ils s'élancèrent dans la nuit avec une joie violente. Il arracha un panneau du sol et le brandit comme s'il ne pesait rien. Droit devant, la musique commença. Elle l'attira. Que l'ultime fête du cerf commence. Saga commença à comprendre pourquoi Casey détestait autant les bois. Ils étaient oppressants ici. Trop d'endroits où se cacher. La musique joyeuse déformée provenant du parc d'attractions n'aidait pas non plus. Les Koskela l'avaient troublé au sujet de sa vie à Watery avec Logan. C'était une chose que l'histoire d'horreur l'implique, mais qu'elle implique sa fille, ça allait trop loin. Quelque chose fila sur le chemin devant elle, trop vite pour voir. Saga sortit son arme, elle fouilla les bois du regard, un bruit retentit. Saga se retourna, un habitant, un homme se trouvait au-dessus d'elle. Non, pas un homme. Un monstre avec une hachette dans chaque main. Il hurla dans sa direction. La chasse a été merdique! Il est flippant, le hibou. Je vais le signaler. Hein. Alors. Y'a rien ici. Bon, bah allez, let's go, hein. Eh oh. Et vas-y, crie le plus fort. Vas-y, crie le plus fort, Saga. Ils sont partis. Les possédés les ont eus. Ou ils sont devenus des possédés. Je dois récupérer la clé du parc de Mobilo. La clé est dans le coffre de la boutique de souvenirs. Tu loques et un monde parfait. J'ai envie de chanter ça en entendant ça. Tu vas prendre la carte. Fermé. Ah oui. Il me faut quelque chose pour forcer ce truc. Une liste de travaux de maintenance. Hmm? Un tournevis. Un tournevis. Coffee World, l'endroit le plus caféiné de la Terre. Et pourtant, personne n'est là pour me donner la clé. Utiliser un tournevis pour ouvrir une boutique de souvenirs, c'est pas vraiment la procédure normale. Allez, on va partir à la recherche du tournevis sacré. D'abord, exploration. Juste un petit peu, pas trop quand même. Juste que le tournevis... Encore une cache de la secte. Tasse rayée seulement. Marquez quoi? Ah. Toujours plaisir. Attends toujours avoir un garde débarquer des chiottes ici. Encore le logo de la sec.
Alors le percolateur ou l'expresso express? On va prendre un petit expresso, bien tassé s'il vous plaît. Fresh pot gift open all. C'est pour Ufall. Et... Qu'est-ce que je peux trouver à tournevis? Pas d'entrée. Ça doit être fermé de l'autre côté. Attends, non, mais tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de moi. Tu bosses au FBI, t'es pas capable de passer au-dessus de ça. Encore, le truc ferait 3 mètres de haut, je comprendrais. Là, ça faisait même pas un mètre. I got soin. Pas de courant. Il y a forcément une boîte à fusibles. Oh là là, je suis tellement paumé de ce qu'il faut faire là. Il manque un fusible. Bah oui. Il m'en faut un pour activer ça. T'es obligé qu'il y ait manqué le fusible. T'es obligé! Bien sûr, il est pas ici, hein. On va frapper un tour dans l'Expresso Express. Hein. Ouais, l'autre côté. Et t'es là, le truc de popcorn? Ah, je le sens tellement mal ce qui va arriver là. Pour vous, le maire 7h prendra la parole. Oui, mais du coup, est-ce que le maire 8h prendra la parole aussi? Oh! Ah, je sais vraiment pas où aller. Tellement de trucs. Hein? Oh. Là, on va sortir de Coffee World. Lui, il a l'air de marcher au moins, ça a l'air cool. Ouais, y'a rien. Là, je me sens serré ici en vrai. Quoi ça? Il y a quelque chose à faire en... Merde! Tu calmes, Saga. C'est juste une cafetière. Merveilleuse tournée! Pas sûr que ça a marché. Ah, j'aime quand il n'y a rien. Alors. Ah ben oui, comme par hasard j'arrive, ça marche plus. Rien dit.
Allez au connard. Ouais, oui, bien sûr. Mais ouais, tu fais des couilles, toi. Il va le casser les couilles. T'avais vu le petit tir là ? T'en fais le fier, hein ? Mmh. Oh, on a trouvé le tournevis. Musique, ça. Question, c'est elle était où la boutique ? Qu'un se souvient ? Partie sauvegardée, ça sent l'agression ça. Ah oui, ça sent l'agression. Bonjour madame, vous allez bien ? Bien mourir. J'appuie sur l'espace. Bon. Bien joué, Saga. Non, bouge-toi. C'était par là, non? Non, c'est absolument pas par là. Il y a des chiottes. Mais c'était là. Robé le qui, hein. Par contre, j'espère que le tournevis n'était pas usage unique. Oh, il est où ce coffre ? Je sais pas, mais là je veux surtout des soins et des munes, ça serait bien. Fermé. Ok, qu'est-ce qu'il m'a choisirait comme code ? Pourquoi t'as encore changé le foutu code ? Je croyais que c'était guetteur, réparateur, fournisseur. Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi t'es si parano ? Un chercheur, guetteur, fixeur, tu vois, c'est pas la mer à voir. What ? Oh là là. Le métro. Chercheur, guetteur et nettoyeur. Des gens. L'équipe de Coffee World. J'espère que c'est pas des monstres maintenant. Ah. Les photos ont des autocollants.
Tiens, opérateur, maintenant. Oui, c'est un guide parc. Ok, donc du coup. Ça a l'air compliqué. Qui qu'on cherche ? Autocollant, c'est pas du tableau. Bon, du coup, t'as pas été là-bas. On va aller au percolateur. Et on y a déjà été. Je crois qu'on y a pas été là-haut. Si vous avez des idées, les gens, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si on y avait été ici, je suis con. Alors là, on n'a pas été, je crois. Comment si on y a été ? Ouais, du coup, on a tout clean, non ? J'avoue que cette énigme là par contre. C'est pas venu ici. Oulalalalala, non. Ah bah si. Ah bah non, c'est invisible. Retournons dans la zone là. Pas trop compris. Il nous manque des infos. On va aller dans une zone de lumière pour regarder à nouveau. Peut-être qu'il y a un profilage qui s'est débloqué. Bon, je doute, mais bon. Ah! Il faut que j'ouvre ce coffre. Mais comment trouver le code? Les casse-têtes, c'est pourri, Ilmo. Les clés, c'est bien mieux. Les casse-têtes, c'est génial, Yak. Il faut être très futé pour en inventer des bons. Regarde autour de toi, tu trouveras la réponse. Les bons employés seront récompensés. Le code du coffre est quelque part dans la boutique de souvenirs. C'est pour ça. Ah non, m'envoyez pas le code tout de suite, attendez. Laissez-moi un petit peu galérer d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé ici ?
code est forcément dans la boutique de souvenirs, apparemment. Ici, on n'a pas grand-chose. Je pense qu'on n'a plus rien, donc ça serait dans les alentours. Anna buvette. Bah, faudrait pas aller sur le stand d'Anna. Concession stand. J'ai son profil là, mais à part ça. Concession stand. Et Kilmo est du genre à aimer le sudoku. J'avoue, je serais pas contre un petit indice. Guetteur, réparateur, chercheur, guetteur, nettoyeur. Oh là là! Concession stand. Où t'es sur le tableau? Quoi? Sérieux? Ah non. Faut me dire que c'est un truc à la con avec l'ordre, un truc dans le genre. Attends, mais du coup, c'est quoi? Chercheur, guetteur, nettoyeur. Chercheur, guetteur, nettoyeur. Chercheur. J'ai trouvé. Et le nettoyeur, ça serait quoi? Ça serait un. Ah, d'accord, tac tac tac. 1-4-9 du coup. Ah non, le nettoyeur, ah putain, ouais, géniteur là, géniteur pardon. Ah ouais, j'avoue. J'y peux rien, là, je voyais la meuf, je me suis dit, ouais, c'était sûrement important. Les clés de mon mobilhome. Bien. J'ai trouvé le rupteur et la secte. Enquêter sur mon mobilhome, chercher le fusible. C'est où je dois aller? Il est où mon mobilhome? Quelqu'un sait où est le fusil? Moi ça m'intéresse, hein, si jamais. Du coup,
commence voir d'ici en fait. Ah, parc de Mobile Home, c'est par là-bas. Juste prendre la sortie et aller au parc. On peut pas prendre un fusible dans le camion, non? C'est par où? C'est par là-bas. Un instant. Mais non! Aïe, 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 il y a Becky qui m'a envoyé... Elle a déjà reçu un ETB! Un ETB Pokémon! Avec garde de fer! Ah, je suis jalousie. La page disait qu'un adepte se trouverait là. Reste sur tes gardes, Saga. Saga, c'est jamais plus fort que toi. Et... petit café. Important le café.